Hello hello, salut à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout fonctionne avec mon petit micro euh, mon petit micro là qui tient en équilibre? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Alors attendez, parce que là, premier live de ma vie hein, sur YouTube. <laughs> Découverte totale. Euh, je regarde si tout fonctionne bien. J'espère que vous allez bien. Bah, en tout cas, c'est une expérience hein, de, de faire un petit live YouTube comme ça. Pour tester, pour voir ce que ça donne. Je vais regarder un petit peu. Viens, ça klaxonne dans la rue. On va vérifier que tout fonctionne. Bon, est-ce que, est que vous m'entendez J'oublie complètement que je suis en live. J'ai tellement pas l'habitude de faire ça que, que j'oublie complètement qu'on est en live. <laughs> j'ai l'impression d'être en train de regarder. Ok, tout fonctionne. Super. Nickel. Donc j'ai le chat à ma droite. Et puis, euh, bonjour à tous. Bah écoutez, ça me fait trop plaisir euh, de tester un, un petit live YouTube comme ça sur la chaîne. Euh, déjà pour vérifier que, que toutes mes configurations fonctionnent, la qualité est pas ouf. C'est quoi C'est la qualité du son La qualité de l'image Dites-moi, hein. dites-moi ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Euh, en tout cas, si tu vois le chat, dit YOLO. YOLO. <laughs> salut Hamza, salut Marina, salut Milo, Ultimate Blue, Jack, Chloé, Jonathan, SamSam... Sam, Salut, bah, ça fait trop plaisir, c'est la première fois que, que je vous parle en direct sur, euh, sur YouTube. J'aurais attendu euh, les 29 000 abonnés et quelques pour lancer un live, <laughs> ça fait plaisir. Image, c'est pas top. Ouais ok, en même temps j'ai une petite webcam, euh... je voulais commencer déjà dans un premier temps, voir un peu euh, comment ça marche, euh, et puis euh, avant de passer à... À l'étage supérieur, si on peut dire ça comme ça. C'est supportable, ok, bon. Il y a une image un peu verte, non, j'ai l'impression. On dirait que, que mon studio est tout vert derrière, c'est bizarre. faudrait que je mette peut-être un éclairage. Attendez, parce que j'ai une lampe. Hein. J'ai une lampe, mais bon. <laughs> on va peut-être pas faire ça comme ça non plus. En tout cas, petit live pour tester que tout fonctionne. Et puis, euh, discuter un peu ensemble. Hein. Moi, je voulais qu'on se pose un peu, qu'on discute. Euh, qu'on discute euh, tout simplement de, de, de nouvelles classes et puis euh, de surtout ce qui peut vous aider. Euh, parce que le but de nouvelles classes, c'est de vous aider hein, au lycée avec la réforme du bac et tout ça. Là, je lance officiellement euh, les lives sur YouTube et ça nous donne beaucoup de possibilités, hein, les lives YouTube. On peut organiser euh, plein de choses, on peut euh, faire des, des exercices en live, on peut faire des cours en live, on peut faire des... Des interviews avec des étudiants, on peut faire euh, des petites soirées détente, on peut se faire euh, plein plein de trucs. Donc je voulais avoir un peu vos, vos votre ressenti par rapport à tout ça. Et puis surtout l'idée hein, c'était de, de tester un peu, voir si ça, si ça fonctionne. L'image elle est pas ouf, ouais ouais, vous m'avez dit. Bientôt sur Twitch, bah, je sais pas, pour l'instant euh, plateforme de prédilection c'est YouTube hein, forcément avec la chaîne. Mais, euh, mais Why Not hein Why Not pour Twitch peut des live TikTok aussi, hein. je me suis mis à TikTok euh, ce week-end. <laughs> J'ai mis le TikTok d'ailleurs dans la description là, du live, si vous voulez aller rejoindre le TikTok, on est bientôt au 1000 hein, sur TikTok. Sur les vocaux de Discord, les vocaux de Discord, c'est vrai que j'y passe pas souvent, parce que euh, du coup bah, je gère les vidéos sur YouTube et puis, euh, puis tout le projet de manière générale. Euh, en tout cas avec, euh, avec mon équipe on gère tout ça, mais c'est vrai que du coup on, on manque de temps pour passer sur les vocaux de, de Discord. Mais euh, c'est ma résolution euh, là pour les prochaines, euh, prochaines semaines, prochains jours. Ça va être de passer euh, beaucoup plus souvent vous voir sur les, sur les vocaux Discord. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur le Discord, bah, rejoignez le Discord. Le lien dans la description. On a créé des salons pour chaque matière, pour chaque spé, euh, pour chaque classe où tout le monde peut discuter. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de sujets de maths, de physique, euh, des fiches de français. Enfin, tout le monde se partage euh, plein, de, plein de ressources pour réussir. Donc, euh, rejoignez le Discord hein, si vous n'y êtes pas encore. J'ai passé mon bac blanc aujourd'hui, je sais pas si j'ai réussi. Bah, J'espère que ça s'est bien passé, Billy Et euh, tu nous diras de toute façon bah, sur le Discord. Si tu es sur le Discord, tu pourras nous mettre un petit message pour nous dire euh, comment ça s'est passé. Salut, je te remercie beaucoup pour ton travail, ça aide énormément pour l'école. Bah, merci, merci pour ton, ton message, ça fait plaisir. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que ça vous aide, de voir les commentaires. Euh, Est-ce que je suis prof Alors non, je suis pas prof, je suis étudiant, mais je travaille avec des profs pour réaliser les contenus, euh, être sûr de vous proposer des contenus euh, de qualité. Donc moi-même, je ne suis pas prof, mais je travaille avec des profs euh, pour, euh, pour vous proposer les contenus sur la chaîne. Merci beaucoup pour tes cours. Merci, Rosine, ça fait plaisir. C'est ouf, pour info j'y suis, et je suis très satisfait. Je pense que tu parles du, du Discord Bah merci, c'est cool. On a eu du mal un peu avec le Discord, au début ça a été un peu, un peu compliqué, on a lancé le Discord et puis il y a eu quelques attaques, on n'avait pas, pas paramétré plus que ça la sécurité, on pensait pas que ce serait, que ce serait nécessaire. Donc là on a bien tout euh, renforcé, sécurité maximum sur le Discord. Donc euh, n'hésitez donc, euh, pas à rejoindre le Discord, c'est sécurisé, et bonne ambiance, on se partage des sujets, on s'entraide pour le bac, c'est cool. Et puis ouais, rejoignez sur TikTok aussi hein. TikTok, bientôt les 1000. On essaye de passer les 1000 rapidement. <laughs> en tout cas, voilà, bah, ça fait plaisir de tester les lives. Euh, moi, je vais vous dire un petit peu les, les idées que j'ai avec les lives. En fait, c'est assez simple. L'idée avec Nouvelle Classe, c'est de vous faire les cours les plus interactifs possibles, d'être vraiment dans l'interaction avec vous. Euh, du coup, l'idée, bah, c'est tout simplement de faire des cours en live, en fait, hein, des cours par visio qui seraient sur YouTube. Euh, ben bah, voilà, 4, 4 lives, c'est quoi tes prochains projets avec la chaîne eh bien, ben, euh, eh c'est ça, hein, c'est de vous proposer toujours plus d'interactivité. L'idée, c'est euh, voilà, de, de créer des contenus toujours plus qualitatifs, qui vous aident toujours plus à réussir le bac. L'idée avec Nouvelle Classe, c'est de vous proposer les meilleurs contenus possibles, donc euh, les plus interactifs possibles, les plus réactifs possibles, euh, pour que bah, vous progressiez rapidement et puis que vous explosiez vos notes, hein, tout simplement. Donc, euh, donc les lives, ça peut être une idée. Hein, ça peut être une idée euh, pour vous aider, euh, pour vous aider euh, avec le bac je te remercie énormément parce que juste en révisant avec toi, un jour avant les vals j'ai eu 17. <laughs> Ça fait plaisir. Diandra. Bah le but des vidéos, moi ce que j'essaye de faire dans les vidéos, c'est effectivement euh, d'être clair et efficace, quoi. D'aller euh, droit au but pour que vous puissiez... Euh, salut euh, Adieu. Euh, pour que vous puissiez euh, tout simplement être ultra performant le jour de l'interro. Euh, donc tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette approche. Moi c'est l'approche de dire, euh, bah voilà, on donne les notions à connaître, ce qu'il faut absolument connaître. Et ensuite, on applique tout de suite sur des exercices, des exercices simples au début, puis ensuite des exercices plus, plus difficiles, pour que quand vous arriviez à l'interro, vous soyez ultra performant. L'idée, c'est de ne pas faire des vidéos d'une de, heure sur une notion. C'est vraiment de vous dire voilà, il y a ça qu'il faut connaître absolument. Euh, voilà, C'est de vous donner les, les outils pour que vous puissiez être les plus efficaces lors des, lors des, lors des, lors des, lors des interros. Salut Julien, merci beaucoup pour tes vidéos et ta bonne humeur, bah, ça fait plaisir, hein. merci à vous. Ce qui part, c'est les commentaires, les likes et tout ça, ça fait super plaisir. Donc voilà, l'idée avec les lives, si je peux vous montrer un petit peu là en quelques, quelques secondes. Alors je vais préparer un peu mon, mon écran. Hop, je vais dézoomer un peu tout ça. Tac. Ah ouais, alors attendez, parce que j'ai écrit sur, mon, sur ma feuille euh, des trucs et j'arrive pas à les enlever. Bon, c'est pas grave. On, on découvre ensemble. L'idée avec les lives, en tout cas une, une possibilité que j'ai, c'est tout simplement, tac, de vous partager mon écran de cette manière et euh, bah, du coup évidemment de vous proposer des, de vous proposer éventuellement euh, du contenu, des exercices, euh, qu'on qu fasse des choses ensemble en live en fait, hein, tout simplement. Comme je le disais au début du, au début du stream, l'idée de nouvelle classe, c'est de développer des outils qui soient les plus interactifs possibles. On puisse vraiment échanger malgré la distance, malgré le fait qu'on soit en visio, malgré le fait qu'on soit sur internet, qu'on soit pas en présentiel. L'idée c'est qu'il y ait vraiment une interaction euh, la plus forte possible entre, entre vous et moi, entre vous et, et les profs. Donc euh, voilà pourquoi pas se faire, des, se faire des exercices en live comme ça, des, des sujets en live, des sujets de bac par exemple. Enfin, voilà l'objet de, de ce live c'est aussi un petit peu d'échanger sur tout ça, avoir un peu vos, votre ressenti, euh, vos idées. Voilà en tout cas si vous voulez partager des choses dans le chat des idées ou autres, n'hésitez pas avec grand plaisir pour qu'on échange euh, qu'on échange sur tout ça. Bon là ça a pas trop d'intérêt parce que je suis sur une feuille euh, une feuille vierge donc je vais revenir sur ma cam classique voilà. <laughs> en tout cas, ça fonctionne. Euh, vous m'entendez, vous me voyez. Vous m'avez dit au début du stream que la qualité de la qualité de l'image n'est pas top. Donc euh, voilà, hein, j'essaierai de résoudre ça dans les les prochaines semaines, mais en tout cas, je vois que tout fonctionne, qu'on peut échanger et livre complètement pour les lives. Ok, bah super. Alors, est-ce que vous auriez bah, des, des envies par rapport à ces lives euh, Parce qu'en live, on peut tout faire on peut échanger, on peut discuter, blablater, on peut faire des exos, on peut faire des sujets de bac, on peut parler avec des étudiants de l'enseignement supérieur pour, par rapport à l'orientation, on peut faire énormément de choses. Donc, euh, si il y a des choses que vous préférez en live sur la chaîne Nouvelle Classe, n'hésitez pas à le mettre maintenant dans le chat. J'ai pris mon petit stylo pour noter euh, vos idées. Et, euh, et comme ça, on construit un peu, le, un peu la chaîne ensemble et, et les contenus ensemble. Quoi. Bonjour Nessie. J'ai vu que vous m'avez posé quelques questions euh, au début du stream auxquelles j'ai pas répondu. Tu as fait quoi comme étude Comme étude, du coup, euh, des études d'ingénieur. Voilà, je suis ingénieur. J'ai une question, l'écart entre le niveau de maths de seconde et en maths en première et terminale est énorme. Il y a un certain écart, effectivement. Euh, il y a des notions qu'on retrouve d'une classe sur l'autre. Euh, D'ailleurs, j'ai des commentaires des fois qui me disent, mais tu fais une vidéo pour les premières, mais c'est quelque chose que j'ai déjà vu en seconde. Euh, en fait, on retrouve les mêmes notions d'une année sur l'autre, en tout cas le même fil conducteur. Mais en première, on va beaucoup plus approfondir ces notions qu'en seconde. Et en terminale, on va encore plus les approfondir par rapport à la, à la première. En, en terminale, voilà, c'est plus approfondi que par rapport à la première. Donc l'idée, euh, c'est tout simplement qu'on va avoir le même fil conducteur, en tout cas des choses très similaires, mais qu'on va euh, aller plus en profondeur. En seconde, on va un peu survoler les notions, voir c'est quoi une fonction, c'est quoi une suite. En première, on va aller plus dans le détail. C'est quoi euh, dériver une fonction Voilà, on va commencer à manipuler les objets mathématiques. Et quand on arrive en terminale, bah là, du coup, on, on se pose vraiment des problèmes mathématiques sur comment, euh, comment résoudre certaines situations avec les maths, par exemple. Toutes les idées sont cool. Moi, je veux bien rencontrer des gens du supérieur. Ça peut être intéressant pour les lives. Ouais, effectivement. Ça, c'est une idée euh, de faire des lives euh, sur le supérieur, sur les études supérieures. Je le note. On peut, faire, euh, voilà, on peut tout faire en live. Donc, euh, si en tout cas, les lives, c'est une fonctionnalité qui peut vous intéresser sur une Nouvelle Classe, on, on est libre de faire ce qu'on veut, quoi. Puis, on va le faire ensemble. Au fait, quel choix propose le plus de chemins, maths, physique chimie ou physique chimie SVT C'est bien ça hein, ta question. Euh, bah, ça dépend en fait de ce que tu veux faire. Là c'est pas trop un live orientation. Hein. J'avais pas trop prévu de répondre à des questions d'orientation, mais on peut en discuter. Il n'y a pas de souci. Euh, ça dépend de ce que tu veux faire. C'est vrai que les maths en termes de nombre de formations ouvrent beaucoup de portes. Ça c'est clair. Par exemple pour les concours d'ingé. Que tu passes en terminale pour rentrer dans des écoles post-bac. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui exigent que tu aies la spécialité maths, par exemple. Donc. Euh, en tout cas, les maths, c'est un peu une base pour beaucoup d'études, en tout cas dans, dans les matières scientifiques. Mais en fait, ça dépend complètement de ce que vous voulez faire, de vos choix, de vos préférences. Euh, on pourra en parler plus dans le détail, même avec des écoles et des, des, des étudiants de l'enseignement supérieur euh, sur la chaîne, hein, évidemment. En tout cas, voilà, faut pas se dire. Euh, faut pas se mettre de restrictions, faut vraiment voir là où on a des facilités, là où on a du plaisir à travailler. Euh, et, euh, et puis voilà quoi. Les maths en tout cas sont une, sont une SP, qui est un prérequis pour beaucoup de formations en lien avec les sciences, euh, notamment les écoles d'ingénieurs post-bac. Ça c'est une réalité. Est-ce que tu penses qu'ils vont annuler le français première et la philo terminale <laughs> Alors, je ne pense pas. En fait, j'en sais rien du tout. Je peux juste pas répondre à la question. Mais euh, si je dois donner un, un avis euh, purement personnel, qui n'engage que moi, et voilà, hein, c'est. Euh... Je pense pas qu'ils vont les annuler. Je pense pas qu'ils vont les annuler. Ils ont déjà annulé les SP en, en terminale, ils ont annulé beaucoup de choses. Euh... Il me semble que l'enseignement scientifique est toujours maintenu, hein, d'ailleurs. L'épreuve d'enseignement scientifique. Je pense que le français et la philo, hein, d'ici le mois de juin... Je sais pas, en fait on, on verra hein, avec le virus, les variants, euh, comment tout ça évolue. A priori, j'imagine qu'ils vont pas l'annuler, qu'ils vont pas annuler ces épreuves là, mais euh, à voir. On verra ça. Euh. Je, peux pas, je peux pas répondre hein, évidemment, j'ai pas d'infos. Laurent, les lives seront sur quelle matière Bah alors l'idée c'est d'en discuter en fait. C'est à dire, euh, là moi je vous propose de lancer des lives sur YouTube, ou sur Twitch, euh, ou sur Discord, enfin voilà, de lancer des lives et je vous demande votre avis, voilà, qu qu'est-ce qu qui vous aiderait, qu'est-ce que vous trouveriez intéressant de faire en live, euh, comme je vous disais, ça peut être échanger avec des étudiants, ça peut être faire des sujets de bac, ça peut être faire des exos simples, ça peut être revoir du cours ensemble, euh, et, et voilà, et donc par rapport à ces questions-là, bah, n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresserait le plus sur la chaîne Nouvelle Classe. Si jamais il y a des lives plus tard, ce sera quels horaires à peu près Alors ce sera les horaires qui vous arrangent le plus, en tout cas je vais essayer, euh, J'imagine en fin de journée, ça peut être le week-end. Bah, quels sont les horaires qui vous, qui vous arrangeraient le plus Dites-moi un petit peu euh, les horaires de live qui vous, qui vous conviendraient euh, principalement. Ça peut être intéressant de faire de la NSI et de la SI pour la terminale. Alors le programme NSI, il est sorti sur Nouvelle Classe, donc il y est. Quand vous allez sur nouvelleclasse.com vous allez dans les cours, il y a le programme NSI euh, avec le corrigé du bac euh, 2021. Et là, ici, effectivement, bah, ça ferait partie des, des, prochains, des prochains cours qu'on aimerait développer sur Nouvelle Classe. On s'est rendu compte que ce qui vous intéresse principalement d'après les sondages qu'on a lancés, c'est les matières scientifiques. J'espère qu'on ne se trompe pas, mais euh, vous avez vachement répondu euh, à nos sondages en, en mettant en avant les matières scientifiques. Donc euh, c'est donc des choses qu'on essaye de développer au maximum euh, pour répondre à votre demande, hein, tout simplement. Vers 18h, 18-19h à peu près. Ok, donc fin de journée pour les lives, je note 18h. Ok, très bien. J'ai noté des lives sur les études supérieures, des lives sur les cours. Euh... N'hésitez pas à préciser hein, ce qui vous arrangerait le plus, euh, et ce qui vous intéresserait le plus, des lives sur des exercices, des lives sur des sujets de bac corrigés. Qu'est-ce qui, qu qui vous intéresserait le plus N'hésitez pas à me dire. Pour les horaires, je propose le week-end. Ouais, bah, forcément, le week-end, c'est là où vous êtes le, les plus dispo, forcément. Donc, euh, donc ouais, hein. je pense qu'on va partir sur un fin de journée euh, slash week-end, quoi. On va être dans ces eaux-là. Aimdal. c'est vrai que les élèves hors contrat vont passer leurs épreuves de spécialité en mai, merci. Alors, les élèves hors contrat, j'ai pas d'infos. C'est le gros problème, c'est que vous êtes énormément à me demander comment ça se passe pour ces élèves-là. Et en fait, pour l'instant, j'ai pas d'infos. J'ai euh, demandé à différentes structures, j'ai cherché beaucoup sur internet, j'ai envoyé des mails. J'ai pas d'infos, on me répond pas. <laughs> Donc, je peux pas trop vous aider. Je suis pas devin. Mais, euh... Mais c'est vrai que là, du coup, pour les élèves hors contrat, je sais pas dans quelle modalité ils vont passer leurs épreuves. Je pense que tous les élèves vont être logés à la même enseigne. C'est-à-dire si on annule. Les épreuves pour une certaine partie des élèves, on va pas les faire passer à, à, à des élèves qui sont dans le même niveau, dans la même classe. Enfin, je veux dire, ça me paraît logique qu'on uniformise un peu les, les conditions pour tous les élèves. Ça me paraît logique en tout cas, mais euh, on verra, hein. on verra comment ça se passe. J'ai pas de réponse euh, officielle en tout cas à donner et je préfère pas dire de bêtises, genre peur de dire quelque chose et puis qu'on prenne premier degré et qu'après euh, je donne des fausses infos donc je préfère ne rien dire, mais si j'ai des infos et des réponses, je vous le dirai euh, je vous le dirai tout de suite beaucoup terminent à 18h donc c'est chaud, ok, donc ça serait plus ce serait plus tard quoi en fait, hein, si je comprends bien <laughs> on serait plus du coup sur les coups de 19h 20h, ok pour ceux qui rejoignent le live, je vois que vous êtes quelques-uns à rejoindre le live en cours de route ouais vous êtes 30 ça, ça me met pas la pression du tout, ça. Premier live de ma vie, 30 personnes. Ça me met pas la pression. Je vérifie que tout est bon dans le décor. <laughs> Il y a juste mes petites tasses. Mes petites tasses que j'ai laissées de côté. Là, mon petit café de ce matin. Bref. Euh, ok, donc 18h, c'est trop tôt. Donc on serait sur du peut-être un peu plus tard. 19h. Je propose 19h. Sujet de bac pro. Effectivement, ça, euh, c'est quelque chose que je vais noter. Faire des sujets de bac pro. C'est noté. C'est quelque chose que je vais, que je vais regarder. C'est vrai, ça, il y a aussi les devoirs, ouais, effectivement, vous avez des devoirs aussi à faire le soir, donc ça peut être un peu chaud. On table sur un début de soirée, quoi. 19h, 20h, dans ces eaux-là, pour les pour les horaires des lives. Oui, c'est ça, je suis hors contrat aussi. En fait, vous êtes beaucoup à être hors contrat, effectivement. Ou euh, candidat libre. Et je suis vraiment désolé, mais dans l'état actuel des choses, j'ai pas de réponse par rapport aux épreuves. Je suis désolé. Faudrait refaire des redifs sinon. Ouais, bah du coup, il y aura des redifs, hein. Il y aura des rediffs, il y aura le live et puis ensuite, euh, ensuite la rediff. Refait des trucs maths. Des trucs maths, c'est-à-dire des, des exos de maths. Euh, des trucs maths. Ok. C'est quoi Des exos, des cours, des sujets de bac N'hésite pas à me dire. Macaro. Est-ce que c'est possible de faire des études en informatique, BUT ou école d'ingénieur avec maths complémentaires plus SES, NSI comme spécialité Je trouve que la combinaison est un peu bizarre. Alors, du coup, on est parti sur un live orientation. <laughs> Vos questions sur l'orientation, j'essaye d'y répondre avec les infos que j'ai. Je sais que les spécialités qui sont demandées dépendent de finalement de chaque établissement en fait. C'est-à-dire que chaque établissement a ses propres exigences par rapport aux spécialités que vous avez suivies. Par exemple, euh, il me semble que pour le, le concours à venir, à venir bac, comme je vous disais tout à l'heure, l'aspect maths est exigé. Pour, euh, pour passer le concours. En tout cas, il y a une épreuve de maths obligatoire. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que chaque concours et chaque établissement a ses propres exigences. Il y en a qui vont euh, exiger certaines SP, d'autres non. Donc à ta question, est-ce que c'est possible de faire des études en informatique avec euh, les SP dont tu me parles et, et l'option la maths complémentaire Moi, ça me paraît pas incohérent dans le sens où tu veux faire des études en informatique, tu as fait de la NSI, qui est quand même de l'informatique assez poussée, tu as pris maths complémentaire, donc tu as des notions de maths. Enfin je veux dire ça me paraît pas incohérent, après encore une fois ça dépend de chaque établissement. Regardez sur Parcoursup, bah, j'imagine que là vous êtes en train de, de mettre vos vœux et tout ça sur Parcoursup. J'espère que ça se passe bien pour vous là, le, le Parcoursup. C'est pas évident, il y a beaucoup de vœux, beaucoup de lettres de motivation, beaucoup de choses à faire. Mais euh, voilà, restez motivés. Faites-le sérieusement quoi. Parcoursup, faites-le sérieusement. Faites super gaffe. Parcoursup se, se ferme le 11 mars. Mais je ne serais pas surpris qu'à partir du 8 mars, la plateforme se mette complètement à bugger parce que tout le monde essaye de se connecter en même temps. Donc je vous conseille très sérieusement, c'est un vrai conseil, de vous poser euh, sur Parcoursup et de mettre vos vœux avant euh, début mars, quoi. Genre faites-le maintenant. <laughs> Surtout que vous êtes les deux tiers à être en vacances. Quasiment la, la plupart à être en vacances euh, actuellement. Donc euh, prenez le temps pour ajouter vos vœux et... Euh... Et pas vous y prendre à la dernière minute, quoi, parce que je pense que le site va clairement planter hein, sur la fin. Je critique pas le site, hein, c'est normal. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont se connecter en même temps. Mais du coup, ce serait dommage. Euh, ce serait dommage, quoi. Donc prenez-y, prenez-y vous, prenez-vous-y. Ouais, un des deux, quoi. <laughs> prenez-y vous -y, euh, rapidement. Je finis à 18h30 le jeudi. Ok. Et ben ouais, donc on part sur du... Après 18h hein, pour les lives. Si on lance euh, une série de lives, ce sera après 18h, hein, si je comprends bien. Mais c'est qui la belle-fille qui avait fait le truc de français sur Novel <laughs> bah, C'est sympa pour elle. La belle-fille c'est Noémie et donc, euh, bah, c'est qui C'est une prof de français qui avait fait euh, des vidéos que vous pouvez retrouver là sur la, sur la chaîne YouTube et sur Novel Class des vidéos d'exercice sur euh, le bac français. Salut dudes à ben des exos. Ok. Donc je reviens sur ton message. Et ça me refait des trucs maths. Donc tu veux que je refasse des exos de maths Ok. Donc je note hein, Des exos de maths en live. maths. Merci, Aïb. Vous devriez vous y prendre rapidement. Merci. C'est ça, la phrase que je cherche depuis tout à l'heure. Vous devriez vous y prendre rapidement. Merci. Des sujets de bac de physique chimie, spé, terminale, surtout la mécanique. C'est vrai que les chapitres de méca sont pas évidents. Hein. En fait, la méca, en physique chimie, une fois que t'as compris le truc, sans déconner, c'est simple. Une fois que tu as compris que c'est un peu toujours la même démarche dans les exercices que les premières questions c'est toujours les mêmes euh, et que en fait, c'est vraiment une logique à comprendre une fois que tu as compris ça c'est euh, les sujets de, de physique chimie sont, sont assez faciles hein, en fait enfin surtout les chapitres de méca, parce que c'est vraiment une logique qu'on retrouve à chaque fois dans les exercices mais le temps de trouver cette technique euh, voilà il faut vraiment s'y mettre c'est pas évident donc ok je note des sujets de physique chimie des sujets de bac de physique chimie pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train de parler des, éventuellement des futurs lives sur Nouvelle Classe, puisque là, du coup, je lance officiellement les lives Nouvelle Classe. Euh, voilà, qu qu'est-ce qu que je pourrais vous proposer en live Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des discussions, des soirées de chill, ça peut être euh, des sujets, des exercices, des cours en live, l'idée, comme je le disais au début du live, c'est d'avoir énormément d'interactivité avec vous. C'est de pas vous faire un site où je vous balance des cours et puis euh, regardez-les. L'idée, c'est vraiment qu'on soit là tous ensemble, qu'on se motive, qu'on s'entraide euh, pour le bac avec la réforme, les SP et tout, c'est pas évident. Et donc là, je vous demande vos, vos idées sur euh, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire en live sur la chaîne YouTube Nouvelle Classe. Qu'est-ce qui vous aiderait, en tout cas, pour le bac. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle des sujets de, de bac de physique-chimie. En récurrence. Ok, des exos de récurrence. Ok, c'est noté. Salut, tu fais quoi comme études Alors du coup, j'ai fait, euh, fait une école d'ingénieur. Donc là, je suis ingénieur. J'ai fini mes études euh, d'ingé. C'est même le mieux. En fait, les maths, c'est hyper important en info. Ouais, ouais les maths, c'est important en info. Parce qu'il y a toutes les... C'est pas forcément directement corrélé, mais il y a toute l'algorithmique qui demande euh, quand même... Euh... Ouais, ouais t'as raison, totalement. Vous devriez vous y prendre rapidement des questions réponses ok des live questions réponses ok d'accord carrément bah, c'est un peu ce qu'on fait euh, ce soir du coup hein. c'est à dire je vous, je vous pose des je vous pose des questions et euh... voilà je vous pose des questions et vous me donnez vos avis vous me donnez vos réponses on a même parlé pas mal d'orientation là tout à l'heure dans le live <laughs> au début je voulais faire un live de 15 minutes hein, pour tester euh, pour tester un peu les lives youtube comment ça marche et tout on est déjà à 25 minutes c'est plutôt cool. Merci pour vos messages. Hein, ça fait trop plaisir. D'ailleurs, euh, je reviendrai de suite tout à l'heure dans le live. Euh, avant de finir, je vous dirai un peu euh, quelques petits trucs sur les, les messages et tout ça. Le commentaire et la disserte en français. Ouais, ouais bah, le commentaire et la disserte. On a essayé de faire des vidéos. C'est pas facile de faire des, des vidéos sur le français qui soient claires, qui soient bien structurées, parce que ça demande quand même. Euh, une certaine. Enfin voilà, c'est des questions un peu générales, de culture, il faut avoir lu les, les œuvres, etc. Donc c'est pas facile de faire des vidéos structurées, structurées en tout cas efficaces, j'ai envie de dire, sur le français. Mais on a essayé de faire effectivement des vidéos sur le commentaire et la disserte, qui vous ont bien plu d'ailleurs. J'ai vu la vidéo, euh, la vidéo sur le commentaire composé, vous a pas mal plu. On est 35, on est quasiment une vraie classe, 36-37. Ouais, c'est cool, hein. franchement, ça fait super plaisir. Hein. Premier live comme ça pour tester. Franchement merci d'être là, hein, c'est cool. C'est vraiment super cool euh, de, bah de, de, de soutenir Nobel Class, hein, tout simplement. Je suis en train de regarder là les stats. Ouais, il y a eu 281 euh, lectures du live depuis le lancement. C'est beaucoup hein Pour Un petit live comme ça de test, ça fait, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, c'est super cool. Maybe des lives sur des sur une notion. Et les gens viennent avec des questions qu'ils ont eues sur tes vidéos et tu approfondis la notion. C'est vraiment une super bonne idée ça. Doute, il, il est très très chaud. Des lives sur des notions précises, effectivement. On fait des lives à thème et tout le monde peut poser ses questions. J'adore tes vidéos interactives, c'est génial comme idée. Bah, merci beaucoup, c'est très cool euh, de me le dire en tout cas. L'idée c'est de développer ça de plus en plus sur le site, donc sur novelclasse.com, novelclass On va essayer de faire de plus en plus de, de vidéos. Euh, de vidéos interactives et de contenu interactif comme ça. Tu peux inviter des gens en école d'ingé, BTS, fac, etc. Ouais, faire des live orientation, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avec des intervenants. Enfin des intervenants, quoi, des, des étudiants qui ont fait ces, ces études-là et qui répondent à vos questions. Ça peut être une super idée. Est-ce qu'on peut faire des cours sur la science de l'ingénieur Ouais. T'es la deuxième personne à me le demander là dans le live. SI, c'est noté. Je suis chaud mon gars, t'inquiète pas. Ouais, Doudz il est très très chaud. Merci beaucoup pour les vidéos, continue comme ça. Bah ben, merci beaucoup. Ralito Mais en tout cas, merci, hein, c'est cool. Ça m'a permis de tester un peu le live, voir comment ça marche. Est-ce que tu penses que c'est possible d'intégrer un IUT avec les spécialités NSI et SI et la spécialité HGGSP en première euh, oui, bah en fait, il faut savoir qu'il y a des IUT qui existent dans énormément de, de SPÉ différentes, enfin, de, des IUT dans, dans différentes filières. Dans, il y a énormément de cursus dans les IUT. Donc, je suppose qu'avec les SPÉ que tu me donnes, on peut trouver euh, sans problème des formations qui requièrent un petit peu ces SPÉ-là au lycée. Il hein n'y a pas de souci. Aucun problème. Comment t'es venue l'idée de faire une chaîne pour aider les élèves après ton école d'Angers Ah ouais, ok, là on part sur vraiment... <laughs> L'histoire de nouvelle classe quoi. L'histoire de nouvelle classe. Bon, je pourrais faire une vidéo en un vrai FAQ euh, réponse un peu à ces questions-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, une sorte de vidéo FAQ euh, où je réponds un peu à, à tout ça Est-ce que, est que vous pensez que ce serait intéressant de le faire sur nouvelle classe ou plutôt en live ou une idée de, une idée de FAQ comme ça Pas facile de live, il hein. faut parler non-stop. Hein. Je fais le plus gros monologue de ma vie, là. <laughs> enfin, pas monologue parce qu'on parle ensemble, mais. Vous avez compris quoi Vous avez compris. Ah ouais, j'ai des, des stats hyper intéressantes sur le live. Hein. En moyenne, vous restez 3 minutes 31 sur le live. C'est cool. Merci, hein. Merci beaucoup pour votre intérêt, tout ça. C'est super cool. Donc, du coup, rapidement, Dorian, pour te répondre, comment t'es venue l'idée de faire une chaîne pour aider les élèves après ton école d'ingé Je donnais des cours particuliers aux, à des élèves, donc, de, de lycée, et euh, j'ai remarqué que euh, quand j'étais quand plus là pour donner le cours à l'élève en présentiel, euh, l'élève se retrouvait un petit peu euh, bah, tout seul face à son cahier, quoi. C'est-à-dire, quand j'étais pas à côté de lui pour l'aider... Euh, ou à côté d'elle pour l'aider, l'élève se retrouvait un peu euh, prise au dépourvu, ou pris au dépourvu, et euh, c'était compliqué, quoi. Et, et c'est là, en fait, qu'est venue l'idée de faire une plateforme qui soit ultra interactive, euh, qui soit efficace, qui soit claire, pour aider les élèves de lycée euh, à réussir le bac, quels que soient finalement leurs moyens, parce que des cours particuliers, ça peut coûter très très cher, surtout quand on passe par certains organismes. Et, euh, et 24 heures sur 24 quoi. L'idée c'est de dire, euh, bah, même si euh, un ou une élève se tape euh, une déterre, une motive à 3 heures du matin pour bosser sur ses exos de maths, euh, bah, cet élève peut travailler, euh, voilà. Donc l'idée c'était ça, c'était de, de proposer à mes élèves euh, en cours particulier une continuité au-delà du cours particulier en, en présentiel, et donc de créer une plateforme interactive et euh, qui qui permette finalement de, bah, de, de réussir ses cours. Euh, de réussir ce cours, même si t'as pas un prof particulier à côté de toi, quoi, en présentiel. Donc c'est parti de là, cette idée, et puis ensuite, bon, après, c'est longue histoire, du coup, euh, l'idée des vidéos interactives qui est venue avec le temps, euh, le développement de la chaîne YouTube, qui a, qui a décollé tout doucement au début, c'est monté tout doucement, puis d'un coup, ça a explosé, là, au mois de septembre 2020, il y aurait plein d'anecdotes à raconter, là, sur Nouvelle Classe, ce serait hyper intéressant, en vrai, ce serait, euh, ce serait très drôle de vous raconter toutes ces anecdotes, il y a énormément de choses à raconter le site a planté, enfin, s'est passé tellement de trucs. Ça, nouvelle classe, c'est une aventure quoi. C'est une aventure et de voir que vous êtes là, qu'on discute ensemble en live, enfin, ça fait trop plaisir en fait parce que c'est, enfin, Nouvelle classe, c'est voilà, c'est, pas juste des vidéos sur YouTube derrière, c'est une organisation de ouf. C'est, euh, c'est voilà, c'est évidemment énormément de travail depuis plusieurs mois et de voir que vous êtes là, qu'on échange, que c'est bonne ambiance et tout, ça fait vraiment, euh, vraiment super plaisir quoi. Wow, attendez, parce que là je parle et ok. Ok. Il y a plein de messages. Python et PyGame, ce serait cool. Ok, donc des, des petits lives sur Python. Ok. Ça marche. Je serais pas expert expert en Python, mais je pense savoir à qui je pourrais demander euh, de m'aider. Des cours sur l'aspect NSI première. Il ah bah, y a des cours sur l'aspect NSI première. Hein. Tu peux aller fouiller sur, sur ma chaîne YouTube. Il y a au moins 20 vidéos sur l'aspect NSI première. Et, et si tu prends donc, le cours sur Nouvelle Classe, euh, tu en as une bonne trentaine. Une bonne trentaine de vidéos sur l'aspect NSI en première. Oui, ça le serait. Continue comme ça, tu gères. Merci Mathilde. Ça fait plaisir. Mathilde, qu'on a vu dans la vidéo sur les études de médecine, pour ceux qui l'ont vue. Merci Mathilde. Faire les vidéos ne perturbe pas ton programme. Alors, ça veut dire quoi, ne perturbe pas ton programme Daisy, n'hésite pas à, à préciser un petit peu ta question parce que je comprends pas du coup. Faire les vidéos ne perturbe pas ton programme. Bien faire prof dans mon lycée, Salim. Bah, quand tu veux, hein. c'est parti. Hein. <laughs> Franchement, let's go. Hein. Moi, j'aimerais bien être prof en vrai. Franchement, euh, je trouve ça génial quoi. Transmettre ses émotions transmettre ses émotions, transmettre euh, transmettre des connaissances et puis réussir à captiver euh, captiver les élèves. En fait, ce que je trouve cool, c'est d'arriver face à des, 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 des élèves en fait qui ne voient pas du tout où on veut en venir, où les choses sont assez abstraites et tout ça, et puis d'arriver au fil du cours, au fil des minutes, à clarifier les choses, et quand les, les élèves sortent du cours, ils sont là, ok, en fait, c'est facile, quoi. en fait, on a tout compris et Moi, je trouve ça passionnant. Quoi. Le, la, la pédagogie. Me passionne, clairement. Donc je veux bien venir faire prof dans ton lycée, pas de souci. Tu penses que c'est possible de faire de la santé, école d'infirmière ou autre, avec SP, SVT, SES et maths, sachant que j'arrête les maths et je prends SP maths complémentaires. Donc comme je te l'ai dit, enfin comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, chaque établissement a ses propres critères de sélection. Donc selon moi, il y a tellement d'établissements, tellement d'écoles, tellement de cursus qui existent, tu trouveras forcément euh, une école, un cursus, un établissement qui t'acceptera avec les SP que tu as choisis au lycée pour la filière que tu voudrais, que tu voudrais suivre. Euh, sachant qu'en plus c'est ultra cohérent ce que tu me dis, pour faire de la santé avec de la SVT et des maths, enfin, c'est hyper cohérent. Donc, euh, lay, euh, enfin, franchement oui, il n'y a, a pas de souci. Je dis lay, un peu comme les chips, là, lays. <laughs> Excuse-moi, je ne sais pas si ça se dit lay ou lay. Excuse-moi. Est-ce que c'est possible, j'essaye de rattraper les messages, je suis désolé. Est-ce que c'est possible de faire des classes virtuelles du style comme quand on était en confinement Oui, ça ferait partie des, des, des prochaines idées sur Nouvelle Classe. En fait, quand vous vous créez un compte sur Nouvelle Classe gratuitement, vous avez accès à un formulaire sur la page de votre profil qui vous demande si ça vous intéresserait d'avoir des cours particuliers et donc des, des classes virtuelles en, en visio. Donc vous pouvez mettre, mettre votre mail dans ce formulaire. Donc vous vous créez un compte sur Nouvelle Classe gratuitement. Vous allez sur la page Mon Profil, et quand vous êtes sur votre profil, vous avez un petit formulaire où vous pouvez mettre votre mail qui vous demande si ça vous intéresserait d'avoir des cours particuliers, donc des, des visios. Et, euh, et si on met ça en place, bah vous serez les premiers à recevoir un mail pour, pour pouvoir y participer, tout simplement. Et pour les candidats libres, sans que net, c'est comment Je suis désolé, j'ai aucune info sur les candidats libres et sur les hors-contrats. J'ai envoyé des mails, j'ai beaucoup cherché sur Internet, on échange pas mal là-dessus sur le Discord dans le salon euh, Candidat Libre. Dès que j'ai des infos un peu officielles et dont je suis sûr, soit je vous les transmettrai en live comme ça, soit j'en ferai une vidéo. Pas de soucis. Les scènes coupées de nouvelles classes. J'avoue, ça serait marrant de faire les scènes coupées de nouvelles classes. Merci beaucoup pour tes vidéos. C'est super cool et ça m'a beaucoup aidé. Bah, merci, Daisy. Ça, me fait... ça me fait plaisir. C'est le but. C'est le but de mes vidéos. Le but de mes vidéos, c'est de vous aider. Donc si ça vous aide, bah écoute. Euh... Elif, je suis ému là. <laughs> Salim. Du HTML aussi. J'ai fait plusieurs vidéos sur le HTML, hein, sur, sur euh, la chaîne YouTube. Il y a une vidéo sur le HTML vraiment basique, euh, qui est sortie il y a quelques, 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 quoi quelques jours sur la chaîne YouTube. On fait un petit peu de HTML, donc c'est du programme de SNT seconde. Et il y a une autre vidéo sur le HTML dans le programme de NSI en première, euh, et elles sont dispo sur ma chaîne YouTube. Hein. Master Dave, franchement je pense que tu vas révolutionner le game en éducation, il y a tellement peu de profs sur YouTube. Bah, c'est très gentil, euh, il y a beaucoup de profs sur YouTube en fait, hein. enfin, il y a beaucoup, de, beaucoup de, de cours, enfin voilà, beaucoup de choses. Nous ce qu'on veut faire avec Nouvelle Classe, c'est vraiment proposer euh, en fait, une nouvelle approche de l'éducation en ligne de pas être seulement sur des cours textes ou voilà, c'est vraiment de proposer quelque chose d'hyper interactif, une vraie expérience. Donc c'est quelque chose qu'on construit au fur et à mesure avec le temps. Évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup de travail donc ça prend du temps. Mais euh, l'idée c'est euh... comme tu dis, c'est un peu de révolutionner le game en éducation, mais voilà, sur l'aspect approche pédagogique, d'avoir une nouvelle approche des cours qui vous permettent de réviser vite, bien et d'augmenter de, de, vos notes rapidement. Tout à l'heure, il y a eu un commentaire qui m'a vraiment... Enfin, euh, un message qui m'a fait très très plaisir. Euh, je remonte là dans les messages pour vous le, le relire, juste pour que vous compreniez un peu la démarche. Voilà, Diandra qui me disait, je te remercie. J'ai révisé un jour avant le contrôle, avant vals, et j'ai eu 17. Et en fait, ça, ça me fait plaisir, parce que l'idée, c'est euh, de vous montrer qu'on euh, qu peut euh, comprendre et retenir des notions très vite. Et augmenter ses notes quasiment instantanément quoi en étant vraiment déterminé quoi donc c'est cool est-ce qu'on peut aller dans une école d'ingénieur pour faire de l'informatique sans avoir pris NSI en première donc comme je vous le disais <laughs> chaque établissement a ses propres critères de sélection je pense que des écoles d'informatique peuvent accepter des élèves qui n'ont pas forcément pris l'aspect NSI mais je pense qu'il y en a et je pense que si vous prenez une école d'ingénieur en informatique sans avoir l'aspect NSI, vous devrez dans tous les cas suivre une sorte de remise à niveau. Soit en premier, enfin, dans les premières années de votre cursus dans l'école post-bac, ils vont vous faire passer une remise à niveau, ça c'est évident. Donc, euh, donc autant euh, bah, vous prendre l'aspect euh, NSI dès le lycée, quoi, tout simplement. T'inspires vraiment confiance et passion, c'est trop génial. Bah, merci beaucoup, Master Dave, ça fait trop plaisir. Voilà, ça me fait super plaisir, c'est le but. C'est exactement de vous mettre en confiance. Euh, c'est de vous mettre en confiance et de vous montrer qu'on peut euh, monter ses notes très rapidement euh, en ayant les petits tips, les petites techniques. D'ailleurs, c'est ce que j'essaye de lancer sur TikTok. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur TikTok, on est bientôt 1000. Franchement, euh, venez, venez sur TikTok. <laughs> J'ai mis le, le TikTok dans la description. Venez, euh, venez follow sur TikTok. En fait, je fais des TikTok de. Bah, du coup, des TikTok, des TikTok ça dure 10-20 secondes. Et j'essaye de vous montrer qu'en 10 secondes, on peut avoir des petits tips, des petites infos, des petites techniques. Euh, voilà, là, je parlais du produit scalaire. Enfin, allez, allez voir le TikTok, c'est marrant. Je découvre, je découvre le TikTok. Je découvre TikTok. Est-ce que vous allez continuer avec nous à l'université Ça sera un peu difficile là-bas sans vos explications. Voilà, c'est adorable, Laurent. On aimerait lancer des cours, effectivement, pour le supérieur. C'est très difficile à mettre en place. Et puis, évidemment, il faut des compétences euh, bah, vraiment poussées. Enfin, voilà, vraiment des gens qualifiés pour donner des cours euh, niveau université. Enfin, aussi pour les cours du lycée, mais particulièrement pour le niveau université. C'est quelque chose. Que, enfin, voilà, on, on, on verra. On verra dans les prochains mois. Mais en tout cas, si on peut vous aider jusqu'à la fin de vos études, <laughs> à bac plus 8, on est encore là à vous donner des cours pour vous aider. C'est tout ce qu'on souhaite, quoi. Le live devait durer 15 minutes à la base. Hein. Ça fait 40 minutes. <laughs> Mais j'adore échanger avec vous, c'est super cool. Des petites astuces pour s'améliorer en spémat. Euh, rejoins le TikTok. J'ai mis une petite astuce. Euh, une petite astuce sur les formes indéterminées et j'ai mis une petite astuce sur le produit scalaire. Pour s'améliorer en spémat, il faut avoir des réflexes. Selon moi, hein, c'est mon point de vue des choses. Il faut avoir des réflexes. C'est-à-dire. Euh, c'est-à-dire voilà, on, on arrive devant une question type, typique de spé maths, d'un sujet de bac. Il faut avoir des réflexes pour répondre à cette question. Euh, par exemple, si je prends euh, l'équation cartésienne d'un plan, si on voit cette équation cartésienne et qu'on repère tout de suite ce que veut dire cette équation cartésienne, quels sont les différents éléments dans cette équation cartésienne, à quoi ça correspond En fait, si on si on voit le truc, c'est instantané quoi. C'est-à-dire que l'exercice, on peut le faire en 5 minutes. Donc pour moi, selon mon point de vue, s'améliorer en spémat dans les matières scientifiques de manière générale, c'est développer des réflexes. Pareil en NSI, pareil en physique-chimie, euh, pareil en SVT. Voilà, pour parler des matières scientifiques, pour moi, quand on développe certains réflexes, euh, on peut vraiment s'améliorer très rapidement dans les matières scientifiques, dans les SPE scientifiques. Et pour avoir ces petites techniques, pour avoir ce recul, euh, il faut s'entraîner sur des exercices. Et c'est pour ça que sur YouTube, je vous fais le cours très rapidement, et ensuite on passe tout de suite sur des vidéos d'exercices pour justement attraper ces, ces petites techniques. Salut, c'est ton premier live. Oui, c'est mon premier live. Je n'ai plus de voix actuellement. <laughs> J'ai pas l'habitude de parler pendant 40 minutes, euh... mais c'est très cool. Beaucoup de messages, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes vidéos. Merci à toi. En tout cas, grosse force à toi, frérot. Et à tes confrères sur YouTube qui aident les élèves, je suis en prépa ECE actuellement. C'est en partie grâce à vous que j'y suis, surtout pour les maths. Bah, merci Dorian, ça fait super plaisir. Tu donnes de la force. Salim, j'aimerais être prof de maths, mais corriger les copies, ça doit être ennuyant. Ça doit être un peu répétitif. Après, voilà, je trouve ça intéressant. Euh, enfin, j'ai jamais corrigé de copie, hein, mais. Euh... Ça doit être intéressant de voir euh, la manière d'aborder un problème. De, 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 voilà, de, voir, de voir comment chaque élève aborde le problème et d'essayer de comprendre pourquoi il s'est trompé et de lui donner les bons tips pour pour plus se tromper la prochaine fois. Dudes, dudes il spam le chat, quoi. Oui, pour les écoles d'info. <laughs> ok. Bainzy, tu fais quoi dans la vie bah, Je suis ingénieur. Tu es ingénieur en aérodotique Non, je suis ingénieur en informatique et en électronique. Euh, principalement en informatique. Je te découvre car j'ai contrôle sur le soleil vendredi, merci ça m'aide. Bah merci à toi, c'est cool. J'espère que ça va t'aider, j'espère que. J'espère que ça va bien se passer. Bainzy. Tu pourras nous dire sur le Discord, si tu rejoins le Discord, tu pourras nous dire comment ça s'est passé. Christino, salut, je suis en première, quelle moyen de t'en avoir pour rejoindre une grande école d'Angers euh, Ça dépend ce que tu appelles euh, grande école d'Angers, ça dépend de tes SP aussi. Donc euh, no stress. En fait, le, le but du jeu, c'est de donner le maximum, essayer d'avoir la meilleure moyenne possible, et il y a tellement d'écoles d'Angers que tu as de grandes chances de trouver une école, en fait, quelle que soit, quelle que soit finalement ta moyenne, dans le sens où il y a tellement d'écoles d'ingé qui ont des critères tellement différents, que ce soit au niveau des sp, que ce soit au niveau des moyennes, que ce soit. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est principalement que les écoles, enfin pour les études supérieures, les établissements vont principalement regarder votre classement dans la classe. C'est-à-dire que si vous avez 11 de moyenne, mais que vous êtes euh, donc 11 de moyenne, qui est une moyenne euh, moyenne, quoi, enfin normale, mais que vous êtes euh, 5e de votre classe sur 40, vous êtes super bien en fait. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça le point de vue à avoir, c'est que euh, on va surtout regarder votre classement dans votre classe. Euh, si vous avez euh, 17 de moyenne, mais que vous êtes 30e sur 40, euh, vous êtes pas très bien en fait, finalement, même si vous avez 17 de moyenne. Donc après, tout est relatif. Chaque établissement a ses critères. Euh, je peux pas parler au nom des établissements, je ne sais pas exactement comment ils font pour recruter, etc. etc. Parce que, voilà, de mon expérience, parce que du coup j'ai été étudiant, j'ai fait, euh, fait mon dossier pour rentrer dans le supérieur, j'ai passé des concours, Enfin, de ce que j'ai vu principalement, c'est qu'on regarde votre classement, votre position par rapport aux autres dans la classe. Bon, et puis après je vais arrêter de répondre aux questions, et puis on va arrêter le live, hein, ça fait 45 minutes que ça, que ça, que ça dure. <laughs> Ça devait, durer, ça devait durer 15 minutes, mais c'est cool d'échanger. Ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. <laughs> Merci beaucoup pour tes vidéos. De rien. Je voudrais suivre un cursus de pharmacie, sauf que j'ai SPEMA, et SVT. Est-ce que ça sera pénalisant pour moi, vu que j'ai pas choisi l'aspect physique-chimie J'imagine qu'il y a différents établissements euh, pour faire un cursus de pharmacie qui existent. Chaque établissement aura ses propres critères de sélection. Je, je connais pas du tout le cursus de pharmacie, je suppose qu'il y a différentes manières de rejoindre un cursus, bah voilà, on a Mathilde, Mathilde qui est à fond, qui répond, Mathilde elle est là, elle est présente, Mathilde qu'on a vue dans la vidéo sur les études de médecine. Pour faire pharma, il faut passer par PASLAS. Ça ne sera pas pénalisant dans le sens où l'écart entre lycée et fac est énorme. Ouais, effectivement. C'est-à-dire que euh, de toute manière, tu vas passer par un cursus commun, aux études de santé, hein, il me semble, de manière générale. Euh, et, euh, et en fait pour rentrer dans ce cursus commun en fait la différence ne va pas vraiment se faire sur tes études au lycée enfin sur tes SP au lycée mais va vraiment se faire sur euh, ton année de passe-lasse donc euh, no stress pour résumer je dirais no stress enfin je te dirais no stress euh, il voilà. ne faut, faut pas partir en fait, avec un point de vue pessimiste en fait voilà c'est ça que j'essaye aussi de, de dire sur Nouvelle Classe c'est que quand on part avec un a priori pessimiste, j'ai choisi la mauvaise paix, euh, j'ai une moyenne trop basse. En fait, on s'enferme dans un cercle vicieux. On est déjà dans une position de faiblesse. Enfin, je parle pas de, de toi, hein, de ta question. Mais voilà, quand on est dans une euh, une approche négative, bah on se met tout seul dans une sorte de, on se renferme en fait tout seul et on se met tout seul des bâtons dans les roues de fou quoi. Il faut pas voilà se se brider, il faut pas se bloquer, faut aller à fond. Euh, choisir l'esprit qui nous plaise et si vous voulez quand on rentre dans une démarche positive c'est un effet boule de neige on rentre dans une démarche positive du coup ça va mieux puis ça va mieux puis ça va mieux ça va de mieux en mieux euh, on monte ses notes euh, on fait les bons choix d'orientation voilà c'est pour ça que j'essaye d'être motivant d'être positif sur euh, sur nouvelle classe même si des fois ça fait un peu euh, gaga j'arrive et je fais hey, salut les petits nouvelles machin voilà mais l'idée c'est d'être positif pour vous mettre, dans ce mood positif et, euh, et que vous soyez sûr de vous, quoi, que vous ayez confiance en vous. C'est ça l'objectif avec Nouvelle Classe. Tu as fait quoi comme étude J'ai fait une école d'ingénieur. Alors, combien de moyenne pour une école vétérinaire Je ne pourrais pas répondre, principalement parce que ce qui compte, c'est pas forcément ta moyenne, c'est euh, surtout ton classement dans ta classe. Antonin, hein, pour te répondre. Je suis SP, physique, chimie, SVT, maths. Ouais, voilà, principalement, euh, essaye de garder un bon classement dans ta classe. En fait, meilleur ton classement sera. Plus auras de chance de rentrer dans un établissement que tu repérerais, euh, que tu repérerais, euh, voilà, un établissement dans lequel tu souhaiterais aller. T'as fait quelle école d'ingé Alors volontairement, hein, je réponds pas, pas explicitement à cette question, euh, voilà, parce que euh, j'ai pas envie de faire la promotion d'une certaine école ou autre. Mais moi, de toute manière, j'ai pas fait une école d'ingé post bac. J'ai fait une école d'ingé post prépa, c'est-à-dire que j'ai fait deux années de classe préparatoire aux grandes écoles, CPGE. Je pense que vous êtes. Euh, Certains, un certain nombre à les mettre en vœu sur Parcoursup, les, les CPGE. Bah Manifestez-vous là dans le chat, tous ceux qui ont mis les, les classes prépa en vœu, qu'on qu se retrouve un petit peu. Donc euh, voilà, c'était pas une école post-bac, c'était une école après euh, des concours de prépa. Tes vidéos m'aident beaucoup, merci, merci pour tout soutien, merci beaucoup. Merci pour tes vidéos, ça nous aide beaucoup. Je pronostique les 100k abonnés avant la fin de l'année. Ah bah let's go! Hein. Franchement les gars et les filles 100K abonnés ce serait, ce serait fou quoi. Avant la fin de l'année tu parles de l'année scolaire, donc les vacances d'été de, de, ou tu parles, de, tu parles de la fin de 2021. Dis-moi un petit peu, les pronostics. Ce serait cool de faire une vidéo d'orientation ou bien de motivation. Alors j'y pense, j'hésitais à le faire, je ne sais pas si c'était si pertinent de le faire, de faire une vidéo purement de motivation, mais pourquoi pas. Je me, je me le note ici. Hein. Le but de ce live, c'était de noter un peu vos idées, hein, tout ce que vous me suggérez comme idées. Donc, euh, de la motivation, c'est noté, je note. J'ai maths, LLCE, anglais et NSI, c'est bon pour une école d'ingé informatique. Bah, avec maths et, et NSI, ça paraît extrêmement cohérent de faire une école d'ingé en informatique avec euh, la NSI et, et les maths. Il n'y a aucun problème. Bon, voilà, j'ai dépilé les messages. Je vais arrêter le live ici. Je n'ai plus de voix et il fait noir, voilà, il fait nuit, ça y est, il fait nuit. <laughs> je, voulais, euh, je voulais faire un live de 15 minutes et, et en fait il fait nuit. Écoutez, merci beaucoup. C'est super. Moi ce que je voulais vous dire c'est que voilà, nouvelle classe, c'est vraiment une passion. C'est une passion. Euh, L'idée c'est vraiment de vous porter, de vous aider à, à réussir tout simplement, euh, de vous mettre au top de votre forme, de vous donner les, les bonnes techniques rapidement. Pour comprendre vos cours et ensuite pour appliquer dans les exercices. et de voir en fait tout le retour, retour qu'il y a, tous vos commentaires, tous vos messages, ça fait, ça fait juste trop plaisir. Bientôt, les 30 000 abonnés, ça fait vraiment trop plaisir. Donc, euh, donc merci quoi, c'est top, c'est moi qui vous dis merci. C'est moi qui vous dis merci. Fin d'année 2021, avec le Covid, de plus en plus d'élèves regardent des vidéos de cours sur YouTube. ok. Donc pronostic, fin d'année 2021, 100 000 abonnés sur YouTube. On essaye, on tente. Vraiment partagez à fond, s'il vous plaît. <laughs> Là, je fais la grosse promo. Je me permets, excusez-moi, à la fin du live. Partagez à fond la chaîne YouTube sur euh, éventuellement vos groupes classe. Je sais que vous êtes plein à avoir des groupes sur Snap. Vous êtes plein à avoir des groupes sur Instagram. Vous pouvez juste copier-coller l'URL le, le, de la chaîne YouTube et puis voilà dire, à, dire aux gens, euh, chaîne YouTube sympa, euh, allez vous abonner. Je dis pas ça pour euh, faire de la pub comme ça, mais juste, voilà, ça soutient énormément euh, le travail qu'on fait derrière, sur le site, sur la chaîne YouTube. Donc vraiment partager à fond, c'est vraiment hein, une motivation de malade à vous faire euh, toujours plus de vidéos et... Euh encore une fois, voilà, nouvelle classe, c'est vraiment une passion. Je me lève le matin, je me dis, ok, je vais tourner quelle vidéo aujourd'hui. Ok, je vais prendre contact avec quel prof pour qu'il m'aide à faire telle vidéo, tel contenu. Euh, voilà, ma vie est rythmée par nouvelle classe, la vie de mes associés aussi sur le projet, et c'est une énorme motivation en tout cas de vous voir là, qu'on discute dans le chat et tout, ça fait trop plaisir. Donc merci à tous, partagez à fond la chaîne comme ça on atteint vite les 30 000 et puis après on passe au prochain palier les 40 000. En tout cas, merci, ça fait trop plaisir. Le live de 15 minutes qui s'est transformé en live de 50 minutes, c'est ouf. <laughs> je m'attendais pas à ça. J'avais les chocottes. Mais en fait, tout s'est super bien passé. Allez, merci à tous. Et puis, je vous, dis, je vous dis à très vite, en tout cas, sur Nouvelle Classe. Avec une vidéo de NSI Terminal qui sortira demain soir sur les coups de 17-18h. Donc, euh, voilà, je compte sur vous. Et voilà, je vous dis à très vite. Hein. Salut tout le monde. Salut à tous.